à tous, salut à toutes, bien évidemment. Nous sommes en compagnie de moi-même et de Nano. Nano, bonjour à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo Urbex en sa compagnie, bien sûr, et lui dans sa chaîne en ma compagnie, bien évidemment. Voilà. D'accord, c'est pas mal. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo Urbex, vu que la première vous avait vraiment plu et on a eu pas mal de YouTube Money, c'était pas mal, non, on rigole. Vu que ça avait beaucoup plu, on a décidé d'en faire une deuxième. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un champ avec cette maison juste ici. Et donc, c'est un peu flippant, je vous le cacherai pas. Bref, voilà, donc on arrive sur notre lieu. J'ai changé de caméra, donc je sais qu'il y a moins de stabilisation, il n'y a pas de stabilisation optique. Mais la qualité, normalement, ouais, elle est beaucoup mieux. Et même dans le noir, le flash est vraiment extrêmement mieux parce qu'on voyait vraiment rien avec mon iPhone. Donc là, vraiment, le flash est énorme. Donc, mais bon, là, je pense qu'on n'aura pas besoin vu qu'il n'y aura pas vraiment de trucs à part à la cave. Donc, je vous explique, en fait, c'est une sorte de maison abandonnée. Bah, en gros, si vous préférez, on est près d'un canal, en fait, si vous préférez. Et là, il n'y a que de la forêt partout. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que de la forêt partout. La route, elle est là-bas, à quelques centaines de mètres. Ouais, voilà, en fait, vous pouvez le voir, on est vraiment tout seul. Il n'y a que des champs tout autour. Et il y a juste une maison, et donc c'est celle-ci. Pour moi, ce qui me fait un peu flipper, c'est que la maison, elle a l'air d'être. Elle avait l'air d'être rénovée il n'y a pas longtemps. Ouais, en fait, le truc, c'est qu'il y avait. Ouais, c'est vrai, il y avait des carrelages qui n'étaient pas vraiment super vieux, quoi. C'était de bons carrelages. Sauf que, enfin, il y a vraiment des tags partout, il y a des trucs. On a vite fait regarder juste le rez-de-chaussée, enfin, on a juste été dans le salon, c'est tout. Et elle est vraiment petite cette maison, mais il y a de quoi bien flipper. Et du coup, on a essayé de regarder et tout, mais voilà, on flippe vraiment pas mal. Voilà, ils ont mis un cadenas sur la porte, donc je sais pas, elle est abandonnée celle-là, en tout cas, c'est la maison du voisin. Et donc, ouais, les carreaux, vous pouvez voir qu'ils font vraiment flipper. Bon, j'ai vite filmé là, parce que c'est jamais. Et voilà, donc nous, c'est celle-ci qui va s'agir. Donc, juste ici, vous pouvez voir. Voilà. C'est. C'est pas grave, il y avait plus le morceau là. Je croyais qu'il était pas là. Si, ouais, non, je crois que. Parce que, je sais pas, c'est bizarre. Parce que les gens, il y a des trucs. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, je crois qu'il était par terre, non? Il était pas par terre. Donc voilà, donc il y a un garage déjà. On pourra vite faire visiter après. Bon, il n'y a rien, c'est juste. Ouais. Oh, il n'y a rien de. Bon, vous voir vraiment, c'est de la merde. Voilà. On regarde. Donc les gens, il y a extrêmement beaucoup de gens là-bas. Mais il y a quelque chose que je me demande. C'est qu'elle est vraiment. Inhabité. Ouais, en fait, le truc c'est qu'elle est vraiment inhabitée. On a vraiment l'impression que, de par les briques, on dirait que c'est un petit peu. Enfin, ça date de pas super longtemps. Mais regardez-moi les fenêtres, les carreaux. Qu'est-ce que tu fais? Le nombre de toiles d'araignées. Vous pouvez voir que là, de base, il y avait des volets et ils sont carrément plus là. Enfin, on voit les. Je sais pas si on avait des volets. Bah, si, regarde, on voit les écrous là, les trucs. Ah oui, tu parles de les volets là, voilà. Comme ça. Ouais, okay. Les petits volets comme ça. Donc les gens, je vous propose tout simplement d'y entrer. Il y a des gens vraiment là-bas, donc j'ai un petit peu peur. On y va? T'es du qui n'est pas super fort. Bon, vous voyez que c'est vraiment inhabité vu que le hall de la maison... Le hall de la maison n'est pas vraiment... Tout à fait. Ils ont changé. La porte elle est toute ouverte, la porte en face, non? Non, elle est pas ouverte. T'es sûr de toi? Ouais, je pense. Putain, c'est l'extrême gros flip, les gens. Quoi? Non, c'est moi, t'inquiète. La chaise, elle était pas là, si? Si, elle était là, c'est la chaise que je parlais. Je te demande, parce que je suis pas sûr. Putain. Si, le truc, je crois qu'il était là, si. Regarde, la porte, elle est exactement là. En fait, vous pouvez voir que la porte, elle est fracassée juste ici. Et on a marché dessus. Je pense que la porte a été fermée. C'est qu'ils l'ont fracassée. Ouais. En tout cas, vous pouvez voir que c'est vraiment délabré. Je pense que je peux demander ça à quelqu'un. Putain. On entend des bruits chelous. Ça peut être à cause du vent, les tôles juste au-dessus. Il y a des tôles. Je pense que je peux demander ça à quelqu'un. Bah, gueule pas aussi, rentre à l'intérieur. Enfin, gueule à l'intérieur. Attends, mais... t'attends, si y'a un mec qui m'attend là, je suis dans la merde. Bah, on a le temps de courir, t'inquiète. Oh, c'est là-bas. Vas-y, rentre avec moi. Ouais, t'inquiète. De toute façon, je filme. Vous pouvez voir vraiment. Regardez, c'est vraiment.
Super chaud. Désolé si je tremble un peu, mais on flippe vraiment fort. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Désolé les gens, c'est vraiment le gros coup de flip. Pour le coup. Y'a personne, mais. Là, c'est sans avoir peur. Il me semble que la porte de cave, elle était pas autant ouverte, elle était plus ouverte. Je sais pas, je l'ai pas vu. Si, moi je me souviens de la chaise qui était exactement comme ça. Ça, parce que justement, dans le début de la vidéo, on m'a entendu dire, j'ai dit ouais. Enfin, dans la précédente vidéo, j'avais dit ouais, en plus, y'a la chaise et tout chelou et tout, ça je savais. Ah, mais est-ce qu'elle était comme ça? Ouais, si ça. Non, oui, ça je me souviens, ça c'est sûr. Elle était pas droite? Non, elle était pas droite, ça c'est sûr et certain. Parce que je sais plus. Ça c'est sûr et certain. Vas-y, dans tous les cas, je ferais des cuts si vraiment c'est trop long, mais. Putain, c'est ça. Attends. Putain, c'est les trucs là qui faisaient du bruit tout à l'heure. Excusez-nous, les gens, on flippe vraiment énormément. En fait, on. Mec, il marche sur ça et puis après, il flippe. Non, les gens. Donc, apparemment, ça a été rajouté en fait. Ça n'était pas de base en fait. Si, à mon avis, ça doit être une extension de la maison. Ouais, c'est vrai. Ouais. En tout cas, une belle extension. Bien flippante et tout. Non, mais. Putain. Regardez, en fait, c'est ça qui fait du bruit. Qui fait énormément de bruit. Les gens, on flippe plus pour une maison abandonnée plutôt qu'une grosse maison. Je vais rester la prison. Vas-y, regarde. Vas-y. Donc, les gens, en attendant, on va faire le tour. Regardez, franchement, c'est vraiment hyper délabré. On peut voir, ben. Y'a personne? Y'a personne? C'est bon. Y'a quelqu'un qui arrive là. Oh. Avec son chien, donc on peut monter tranquille. Y'a quelqu'un qui arrive. Mais il est loin. Non, il peut mettre son chien, il arrive dans. C'est une meuf, elle arrive dans deux minutes peut-être. Donc on peut aller le visiter si tu veux. Ok, vas-y. Bref, donc je disais. Je te promets, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en haut. Et je te promets, ça me fait extrêmement flipper. Les gens. Donc vas-y, vous pouvez voir, il y a de la laine de verre un peu partout, donc niveau isolation, regardez, il y a... Oh putain! Quoi? Je pensais pas que c'était autour de l'arbre. Si, ça je me souviens. Donc regardez en fait, les... Oula. Putain, la toxique, on a fait gaffe. Non. Personne, t'es sûr? Ouais, y'a personne. Il y a un truc de verre. Ouais, je sais. Ouais, t'as des trucs de rangée, tout t'as des bouteilles d'eau. T'as déjà essayé de squatter. Mais vous pouvez voir qu'en plus, elle date pas de super longtemps, regarde. Il y a encore du placo et tout. Non, elle date pas de super longtemps. J'avais des SDF qui sont accusés de mieux. Sérieux? Parce qu'il y a des trucs de bouffe. Tu vois, t'as des... Ah ouais, ça je l'avais vu ça déjà. La dernière fois, c'était déjà, ça c'est sûr. Attends, attends que la femme passe ou pas. Viens, on se met là. Oula, viens, on se met là. Si, t'as quelqu'un qui vit là. Oh, t'as quelqu'un qui vit là, ça pue la pisse. On fait quoi, on se barre? Moi j'aime bien les varons. Tu veux aller voir vite? Bah viens, on va voir. Il y a quelqu'un dans la maison? Non, il y a personne, t'inquiète. Non, De toute façon, il va pas faire. Oh oui! Non, mais... Il va pas faire. Oh oui, je suis là. Ok, re les gens. Donc, il y avait quelqu'un qui passait, donc on est parti de la maison, mais on va y retourner. La dame qui nous a dit ça. En tout cas, on sait que. On sait que s'il y a un problème, on a besoin qu'elle est là-bas. Mais en gros, elle nous a dit que c'était hyper sale et qu'il y avait beaucoup de gens qui mettaient des déchets, qui faisaient des trucs un peu chelous. Et donc. Putain, je crois que c'est la cave. Il y a la cave. Et donc voilà, donc on lui a demandé si c'était vraiment, enfin s'ils étaient habités. Et donc cette maison là elle est abandonnée, ça c'est sûr, bon vous voyez là. Mais la maison juste à côté qu'on avait vu tout à l'heure. Tu vois? On voit rien. Il y a un sac. Y'a quelqu'un?
Les gens, excusez-moi, on a regardé, donc il n'y a pas l'air d'avoir des gens. Donc elle nous a dit que donc cette maison était abandonnée. Elle nous a pas donné plus de détails. Elle disait juste qu'il y avait des gens qui des fois venaient mettre des cochonneries, quoi, comme on peut dire. Et donc surtout, il y a une touche à rien. Ouais, surtout, ouais, on évite de toucher. Parce qu'elle a dit surtout, si jamais vous coupez ou quoi, ça peut être vraiment. Enfin, il faut faire attention. Accident, c'est le mec qui s'est, coupé sur un truc, tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment super attention, les gens. Donc ne pratiquez pas l'urbex et surtout pas dans ce genre de maison. Nous, on y va, c'est pour vous. Viens ouvrir avec moi la porte là-bas. Vas-y, vas-y. Donc voilà. Non, c'est l'étoile, t'inquiète. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là-haut. Mais donc, regardez. Donc, je vous fais un peu le tour de la pièce. Hein. Voilà. Non, t'inquiète, c'est les feuilles là-bas. Mais alors, pourquoi c'est le truc que je me pose comme question ? Y'a rien. Là, justement. Ouais, la comme si la vie, elle s'est arrêtée. Mais regardez, en fait, le truc, c'est que regarde, on voit des placos. C'est-à-dire que la maison, elle a même pas encore été finie. Ils ont même pas encore eu le temps de mettre genre du plafond, quoi. C'est juste du placo. Et là, on peut voir la laine de verre, l'isolation. Donc je me dis, regardez, elle est neuve. Regardez, il n'y a même pas de cuisine. Après ça, c'est peut-être possible qu'elle ait été volée. Elle était. Là, il y a les crochets. Ouais, ouais, mais après, il y a les crochets, mais il n'y a pas la cuisine. Regarde, là. Bon, là, ça a vraiment été délabré, les gens. Il faut faire vraiment super gaffe, regardez. Voilà. Enfin, c'est super. C'est hyper délabré. Donc là, à mon avis, c'est des morceaux de mur ou de plafond qu'ils ont pris. À mon avis, c'était ceux-là et ils les ont tous mis là. Bon, je sais pas. Il y a sûrement eu des trucs, ça c'est normal. Dans tous les lieux abandonnés, il y a forcément des gens qui sont venus pour faire la fête ou pour une soirée ou quoi. Bon, donc, attends, la porte. On va regarder là. Il n'y a rien là. Ça doit être la salle de bain, regardez en vue du carrelage. Et de. Ouais, par contre, j'ai raison sur la vie. De quoi ? Quoi ? C'est vraiment, il y a des gens qui pissent ou qui font la fête, qui boivent, qui picolent ici. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, bah, en tout cas, pour le moment. Qu'ils l'ont déjà fait, parce que dans tous les cas. Pour le moment, ce qui est rassurant, j'ai envie de te dire, c'est qu'il n'y a pas de seringue. Ouais, ça c'est sûr. Et ça, dans tous les cas, il faut vraiment faire attention les gens. Donc là, il y a les chiottes, j'ai pas envie d'en faire voir plus. En tout cas, il n'y a pas forcément d'odeur. L'odeur d'ancienneté, mais. Donc Teddy va ouvrir la porte. Ouvre, t'inquiète. Prends ton téléphone. Oh, sa mère. C'est plein. En fait, c'est une sorte de poubelle avec plein de. Oh, putain. Extrêmement de bruit. C'est que des. C'est des SDF, je crois, des alcooliques. Après, ça, c'est normal. Je pense que c'est des SDF. Ouais, les trucs Lidl comme ça et tout. Après, ça c'est normal dans tous les lieux abandonnés. Regarde, même dans la mine, à un moment il y avait des trucs avec plein de bière et tout. Donc, ça c'est normal, tu vois. Faut pas s'arrêter au moindre petit détail. Donc, les gens là. Bon ? Ouais, vas-y. Allez. Donc là c'était vraiment le sort de salon avec plein de toutes les petites portes. Donc, on avait visité un peu toutes les portes.
fait, les chaînes, à mon avis, c'est quelque chose qui est attaché au plafond, quoi. Parce que depuis tout à l'heure, on entend les sortes de chaînes. J'ai envie d'aller en haut. Bah, moi aussi, mais le truc, c'est que... J'ai peur que... Voilà, quoi. Sinon, j'aurais été avec la meule, genre. J'aurais été rassuré que la meule m'attend dans les escaliers. Ouais. En tout cas, les gens, désolé, on parle vraiment pas, mais là, vraiment, on a un grand flip. Voilà. Le truc, c'est que la mine abandonnée, ça avait peut-être l'air de faire plus peur, mais je vous promets qu'ici, c'est 10 fois pire. Parce que la mine abandonnée, il y avait de la circulation tout autour et tout. Tu vois, t'as avec mon frère, il s'est monté direct, il a pas cherché à comprendre, tu vois. Ouais, mais bon. Et du coup, là, en fait, on est en plein champ et tout, donc c'est pour ça qu'on on flip super trop. Vas-y, regarde. La cave, je te promets, j'ai... Je sais qu'il y en a plein de gens, il y a plein de gens dans les commentaires. Ouais, mais le truc c'est qu'il y a plein. Ouais, je sais. Mais le truc c'est qu'il y a plein de gens dans les commentaires qui vont se dire ah ouais, vous êtes des tapettes, vous êtes des urbexeurs et finalement vous osez même pas descendre. Ouais, le truc c'est qu'il y a énormément de dangers. Dans tous les cas, dans les urbex, il y a énormément de dangers, ça c'est sûr. Mais dans celle-ci, il y a encore beaucoup plus de dangers que les autres. Et je vous promets, c'est peut-être con, mais ça fait beaucoup plus flipper que le. La mine abandonnée, quoi, ça c'est sûr. Je peux poser la question sur quelqu'un là. Bah oui, mais bon, dans tous les cas, excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un? La personne? C'est à gauche. C'est vraiment trop dur. Vas-y. Fais attention, fais-le avec ton pied. Putain, ils sont pas la pute. Mais on peut voir que là, il y a l'étage. Ah ouais, putain. Il y a un truc que je me demande. Comment ça peut être autant délabré? À mon avis, il y a des squatteurs qui sont venus ici, qui sont venus tout péter, mais... Parce que moi, chez moi, à l'étage... Faut y aller pour le niquer. Je veux dire... À mon avis, c'est une extension, ils ont même pas... Regarde, c'est que de la tôle. La tôle. Ça, c'est des coups. J'ai toujours l'impression que c'est quelqu'un avec des clés. Alors qu'il y a pas de porte, hein. Ah ouais. Non, mais même, genre, imagine, il y a quelqu'un qui est enchaîné ou quoi, vite. Ouais, non, c'est bon, là, on a eu. On monte? Vas-y, vite. T'imagines, on a 10 minutes de vidéo, on a rien fait. Tiens. Ouais. Y'a quelqu'un? Tu montes la lumière à côté de moi. On se barre. Les gens, on se barre. Oh putain. En plus, au moment où on commence à se barrer des escaliers, j'ai entendu un putain. Enfin, j'ai entendu des bruits de pas venant de la cave, hein, des trucs comme ça. Tout ça, j'ai commencé à courir, mais rien à foutre. On se barre. C'est obligé, il y a un truc qui tourne pas rond dans cette maison, c'est obligé. Il y a des trucs, mais c'est chelou, pourquoi? Enfin, c'était une maison en chantier. Et bizarrement, elle s'arrêtait pile poil. Enfin, je sais pas, c'est chelou, tu vois. T'as vu le nom de cette mec, de cette boîte où il est retrouvé? Ouais. C'est dommage, j'ai pas pu le filmer. Mais en tout cas, désolé, on a vraiment trop flippé. Et je vous le dis, franchement, quand j'ai descendu les escaliers et tout, j'ai entendu vraiment un putain de bruit venant de la cave.
Et pour ça je me suis barré mais vraiment. Et on a préféré partir que de revenir mais pas en très très bon état, voilà. Ouais. Sur ça bah on espère que la vidéo vous a plu. Ouais quand même ouais. On a visité que la maison pour pas le haut parce qu'on avait peur d'avoir un SDF. En tout cas je suis monté, j'ai complètement complètement. Ouais. Avec la pompiste bleue. En tout cas ce qui paraît bizarre c'est effectivement que les pièces sont. Bah, en fait c'est une maison de neuf mais pas terminée à la fois, c'est un petit peu bizarre. Ouais. Voilà. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, lâcher un com et nous dire que t'aimerais qu'on aille où la prochaine fois. En tout cas, j'aurais préféré visiter une maison de plein pied. Ouais c'est sûr. Mais pour le niveau je pense qu'on ira jusqu'à deux. Ouais voilà. Bon ouais, sur ce bah je vais te dire à la prochaine et je laisse le dernier mot à Nano ici là-bas. Peace.